Romain et Mike Romero. Sancho de Cuba, Carlos Sancho pour la salsa. Boxing, celui de la Super Geek Box qui a bien su se faire attendre. Celle de novembre, d'accord. On m'a déjà envoyé la note comme quoi celle de décembre est en chemin, alors que je n'avais même pas encore reçu celle de novembre. Il y a eu un délai, comme quoi toutes les boîtes canadiennes ont été retenues à Vancouver pour une raison mystérieuse. Et on a appris par la suite, par quelques contacts à Post Canada, qui nous ont dit qu'ils ne scannaient plus les tracking de certains items aléatoires, de façon volontaire, comme un moyen de pression. Allez savoir pourquoi, puisque les différends qu'ils avaient avec le gouvernement apparemment avaient été réglés. Donc je vois plus l'intérêt d'eux autres de le faire. Mais bon, je l'ai finalement reçu. C'est une boîte que j'attendais avec impatience. Et ça n'a rien à voir avec le délai qu'il y a eu. Je l'attendais avec impatience aussitôt qu'elle a été annoncée. Puisque j'avais eu une boîte assez moyenne la dernière fois. Et une boîte légèrement supérieure la fois d'avant. Donc je m'attends que celle-ci soit celle qui vienne relever le niveau, oui. Donc, mais bon, la boîte est quand même assez petite, mais Super Geek Box nous a quand même habitués à ce que la taille n'est pas, qu'il ne faudrait pas se fier à la taille. Et donc moi, malgré la taille, je m'attends à beaucoup de cette boîte-là, surtout à... que mon abonnement finit bientôt en janvier, donc il me resterait 2 boîtes seulement. Et après 2 boîtes que je trouvais assez moyennes, je remettais ma question, renouveler l'abonnement. Je vous cacherai pas que celle-ci va jouer un rôle très important dans cette décision. Donc ne tardons plus, on va l'ouvrir. Là, je pense qu'on voit que le t-shirt. On va commencer avec le t-shirt. Souvent, leurs t-shirts, c'est des crossovers et on adore. Donc, je m'attends à quelque chose de quand même assez épique. Oh, ce n'est pas un crossover, mais c'est de toute beauté. On voit Rocket Raccoon arrosant. Pas Baby Groot, c'est un peu avant Baby Groot. Belle petite tige de feuilles. I am Groot. Et se souvenant du temps où est-ce qu'il se promenait au dos de Groot, tirant sur tout le monde. Donc, oui, j'adore. Côté nostalgique, Guardians of the Galaxy, l'une des licences que j'adore beaucoup. Donc, qui m'a beaucoup surpris aussi. J'adore. Je dis oui. Excellent. Oui, je dis oui, t-shirt, on est très bien parti. J'avais vu un petit mystery, quelque chose. Deadpool. Gomez, original minis. J'aimerais qu'il soit sérieux, s'il est dans un bain, quelque chose, ça m'intéresse moins. Mini, je fais un mystery jusqu'au bout. Donc on pousse pour le faire sortir. Ouh oui! J'ai eu Cowboy Deadpool. Oui, Deadpool 1. Donc j'adore. Oui, j'adore. On peut même les stacker les uns sur les autres. C'est excellent. Très, très bien. Je connaissais pas ces figurines-là. Par contre, je suis bien content de l'avoir reçu. 2/2 jusqu'ici. Ça va bien. Titan Fits Wooden Bracelet. Oh! D'accord, du Zelda ou du Link. Un petit bracelet en bois. Ça ressemble à du bois. Avec le Triforce imprimé dessus, en doré. Oui. Moi, je dis oui, c'est très très bien.
Je ne suis pas un grand fan de Zelda ou de Link. Par contre, je respecte. Ensuite, Super Kickbox Immortal, on voit Goku, la silhouette de Goku avec Laura, le d'un ange. Donc, je m'attends du Dragon Balls. J'aimerais bien avoir du Dragon Balls, oui. Oh, un petit porte-clé. Nerdcrate. Ok, très très bien. C'est l'étoile, en fait, de Mario. L'étoile d'invisibilité. C'est pas officiel. Par contre, nous le reconnaîtrons entre mille. Oui, très très bien. Oh. C'est un collant. De Wolverine dans une poche pour l'imprimer sur une... D'accord. C'est un peu plus curieux. Mais après 3-4 items, j'accepte une petite descente, pas de problème. Un collant de South Park parce qu'on voit Kenny qui est mort. Et Cartman sûrement qui dit You bastards. Donc ok. On continue à descendre, c'est correct. Le récap est pète, on va laisser ça pour la fin. Oh! Energy Potion? Hell! C'est comme un Monsters, mais un shot? Je pense que c'est ça. Très intéressant, j'adore. Est-ce qu'il reste autre chose? Non, c'est fini. Donc, voilà, ça c'est le genre de boîte que j'aimerais recevoir de Super Geekbox tout le temps. Tout le temps. À défaut de ne pas avoir de grandes figurines, je veux un t-shirt épique. Je veux un t-shirt épique, un crossover magnifique. Je veux quelque chose comme ça. Voilà, ça étant dit, je veux ensuite une figurine. Si c'est une figurine petite, ça me dérange pas tant que les autres items soient là pour la baquer. D'accord. Ok, on a revu Mario, donc Nintendo. Ça fait 3 boîtes de suite qu'on sort du Nintendo avec Link et Zelda. Donc, oui, on a reçu 4 items qui sont pof, pas vraiment de ces deux-là mieux que ces deux-là. Par contre, une curiosité, voilà. Que j'aurais peut-être pu avoir une autre petite figurine et une grande figurine ou une grande figurine, un truc comme ça, peu importe. Par contre, j'ai eu un t-shirt, une figurine, une curiosité et 4 goodies à la bonne heure. Je suis très content. Ça ne m'enlève pas du dilemme qui me pose à renouveler ou pas, mais nous allons quand même attendre jusqu'en janvier pour voir si nous renouvelons ou pas. Personnellement, moi, ce que j'ai aimé le plus, ça a été le t-shirt. Wow! Oui, ça me donne hâte de voir le volume 2 des Guardians of the Galaxy. Mais vous, je veux vous entendre. Quel est l'article que vous avez aimé le plus? Bien sûr, il y a le t-shirt, mais après le t-shirt, c'est la figurine Deadpool. Et ensuite, ça serait le Health Potion. Je veux savoir, vous, les 3 articles que vous avez le plus aimés, dites-moi-le dans les commentaires, ça m'intéresse, je veux le savoir. Et comme à l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez regardé, lâchez un pouce en l'air, commentez, partagez si vous le voulez bien. Et comme à l'habitude, moi, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Attends, hein? Mais je veux dire quelque chose. Oui, dis-le. Joyeux Noël. Voilà. ¡Felicidad!